Je suis propriétaire d'une maison qui date des années 60. Lorsque l'on a décidé de l'acheter, la maison n'avait pas d'isolation extérieure, n'avait pas d'isolation de comble ni de plancher bas, avait des huisseries d'époque et une chaudière au fioul. De là, on s'est rapproché de l'ASDER qui a su nous accompagner techniquement sur les différents travaux qu'il fallait envisager. À l'ASDER, on est 10 conseillers aujourd'hui à accompagner les particuliers dans leur projet de rénovation d'une maison ou d'une copropriété. On a plusieurs services qui s'offrent aux particuliers. Un premier, c'est un conseil téléphonique. Donc on a un numéro unique pour toute la Savoie où les gens nous appellent. Le deuxième, c'est des rendez-vous ici à la Maison des Énergies, mais aussi en permanence décentralisée un peu partout en Savoie. Et le troisième niveau, c'est ce qu'on a fait dans le cadre de l'accompagnement Mon Pass Rénov. C'est une visite sur place avec un diagnostic énergie simplifié. Ensuite, une fois que le particulier a fait les premiers devis, eh bien on va faire une lecture des devis avec lui et l'accompagner dans son choix. Et puis ensuite, l'accompagnement est bien sûr financier, c'est-à-dire savoir quelles aides mobiliser, à quel moment, quelles demandes faire et les accompagner dans ce volet-là également qui est quand même très complexe. On a pu mettre en place donc le changement de la VMC double flux, l'isolation des combles, l'isolation du plancher bas, l'isolation extérieure, les huisseries et bien évidemment la chaudière avec une chaudière gaz haute performance. Sur cette maison en particulier, pour un montant global de 60 000 euros de travaux, le fait d'être passé par Mon Pass Rénov a permis au propriétaire d'obtenir 50% du montant des travaux en aide financière. On a mis en place un bonus Air Rénovation Gaz dans le cadre du dispositif Mon Pass Rénov qui permet aux particuliers de bénéficier d'une prise en charge de leurs coûts de raccordement pour faciliter et minimiser le reste à charge et leur permettre d'avoir un optimum économique entre performance et coût d'acquisition à l'énergie. Ces nouvelles chaudières à condensation gaz très haute performance énergétique vont permettre un gain d'environ 30% sur la facture énergétique à l'année par rapport à une vieille chaudière fioul. Ce gain va pouvoir encore être amélioré dans le cadre de cette rénovation ici car on a fait une isolation globale. On vit dans cette maison depuis 10 mois et on constate depuis les premiers froids vraiment les avantages économiques des travaux qu'on a réalisés. Aujourd'hui, on se sent vraiment bien dans cette maison. On est entièrement satisfait des travaux qui ont été réalisés par les artisans. On sent un véritable confort dans la maison.